Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la saison 3 de The Warcraft Adventure. Et comme vous avez pu le voir dans le machinima, juste avant cet épisode, nous allons nous diriger vers le Northrend. Alors bon, je sais, c'est un machinima un petit peu basique, mais c'est parce que je commence seulement avec le machinima. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. En attendant, ici on attend le bateau. On attend que ce bateau nous emmène. Je vais buffer ces gens-là. J'ai aucune obligation de le faire, mais je le fais quand même par courtoisie. Voilà. On va commencer les premières quêtes en Northrend pour cette saison 3 qui devrait s'annoncer tout aussi bien que la saison 2 hein, que nous avons vécu ensemble, chers amis. Voilà. Oh. Alors, dans le Northrend, le bastion de Arctas, le roi Lich, corrompu par Ner'zhul, qui affronta Illidan à un certain moment. Ça c'est, il me semble, hein, je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet parce que ça fera l'histoire d'un épisode, mais nous verrons bien cela en temps utile. Alors vous verrez, tandis que oui, parce que j'ai dû réinitialiser quelques-uns de mes add-ons. Hop, vous verrez que tiens, il l'a pas pris. Hop là, voilà. Vous verrez que l'XP est déjà différent. Si mes souvenirs sont bons, c'était 17 000 par quête, et ici. Bon, là c'est 1800. D'accord, mais. Hop, bon. Un petit voyage jusqu'à Dalaran en 3 minutes. Voilà. Ce qui va nous laisser le temps d'un petit peu regarder, voilà. Pour les nouveautés qu'il y a eu à. Je vais écorcher le nom. Vous m'excuserez. Avrath. Non. Avrath of the Lich King. Je vais aller chercher ça tout de suite sur internet. Hop. Alors, voyons voir. Alors, oui. Enfin. Hop. Je transforme. Ah oui, d'accord. Donc, à cette époque-là, ok. Donc à cette époque-là, les nouveautés en fait c'était le DK, donc le chevalier de la mort. On pouvait aller jusqu'au niveau 80, on pouvait braver le domaine du roi Lich. Aller dans le siège des conquérants et charger ses ennemis avec une monture multiplace. Donc voilà. Maintenant, moi je veux les patch notes. Patch notes. Wrath of the Lich King. Voilà. Alors. Game Guide, voilà. Exactement. Comment voilà. Alors, overview. Bon, on va essayer de le trouver en français. Non. Alors, bon, on va transformer l'adresse. Hop. Voilà, chose faite. Normalement, j'ai la bonne adresse.
Ok. Bon, alors, présentation. Wrath of the Lich King, qui veut dire littéralement la colère du roi Lich, est une extension qui est sortie en... Alors, j'ai même, je crois que c'est 2009. 2009, il y a déjà 4 ans de cela. Si je dis pas de bêtises. Hein. En 2008, le 13 novembre 2008, elle a été commercialisée. C'est la troisième, non, la deuxième extension de World of Warcraft. Et son annonce a été faite à la BlizzCon en 2007. Ça se déroule vraiment, l'histoire se déroule vraiment juste après The Burning Crusade. Et il y a eu vraiment, vraiment pas mal de nouveautés. De ce que je lis ici, en tout cas, c'était vraiment, il y avait vraiment pas mal de nouveautés. Et donc, on va pouvoir, à 4-5 épisodes clés, lancer une nouveauté sur ce qui avait été fait. Mais en attendant, on va terminer notre quête ici, dans la belle cité de Dalaran. La belle cité de Dalaran. Alors, je vais changer le titre. Je vais changer le titre, tiens. Je crois que c'est Gardien des Flammes. Ça fait badass pour un mage. Gardien des Flammes. Voilà. Alors, oui. L'échoppe des héros. Alors, j'ai l'habitude de faire ces quêtes du côté Horde et pas du côté Alliance. Je les ai jamais faites du côté Alliance. Donc ça va être aussi une découverte pour moi, hein, ces quêtes du côté Alliance. Voilà. Alors, des alliés à Dalaran, ok. Et quoi, c'est tout? Bon, boop. Je crois que on a une quête aussi pour le portail, si je dis pas de bêtises. Oula. Pardon. Alors, attendez, parce que j'ai un petit souci. Ça, c'est bon. Ça aussi. Ok, c'est parfait. Je crois que c'est ici. Oui, là, on a cette quête-là, normalement. Le maître des portails, c'est lui qui va nous apprendre, pas mal de choses. Apprendre à revenir, le chemin magique, oui, bla 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 bla. Hop, bon, ça c'est parce que les quêtes, je les connais, hein. C'est les mêmes quêtes côté Horde, côté Alliance. Il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Mais je sais que c'est un maître des portails qui nous apprend, entre autres, à faire des portails, je crois. Vers c'est le maître des portails. Donc il va m'apprendre à faire des portails. Alors, veuillez m'apprendre. Voilà. Bon, eh bien, pas mal de portails. Ok. Ça fait pas mal de portails quand même. Donc du coup, ça me met une liste de portails. Ouh, forge fer! Ouh, je ferais bien un nain de ces quatre, juste pour faire un nain. C'est vraiment une race que j'aime vraiment bien. Franchement, ouais, je ferais bien un nain. Alors, eh bien écoutez, on va prendre le chemin dans le sens inverse, puisqu'on doit commencer les quêtes. Tiens, je me demande si il me semble que je peux apprendre une compétence. Oui, allez. 475 et j'ai 180. Bon, et eh ben ce sera pas pour tout de suite, hein. Donc, alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Alors, à Wrath of the Lich King. Donc, cette extension a amené plusieurs choses. Tout d'abord, un système de hauts faits. Alors, ça, d'après Blizzard, ça a permis de...
C'est le tout. Eux, ils appellent ça un tout nouveau système de haut fait. Je suppose que les hauts faits devaient déjà exister à cette époque-là, mais c'est un affichage différent. Et donc, du coup, ça leur permet de voir qui a réalisé quoi, et ça leur permet aussi de rajouter un petit peu de temps de jeu. Alors que si vous regardez bien sur le côté, ici, hop, on voit l'entrée de la citadelle. Enfin, c'est la porte de la mort qu'ils appellent ça. Voilà. Des nouveaux talents. Alors, à l'époque, c'était un arbre de talents à 3, pas comme ici. Alors, je m'excuse pour celui qui a fait un commentaire dans les dernières vidéos. J'ai pas encore vraiment pris le temps de changer mes talents. Je le ferai au prochain épisode. Donc, il y avait les talents à 51 points. Il y a eu un nouveau métier, la calligraphie, qui est apparue à Wrath of the Lich King. Le calendrier des joueurs. Donc, ça, bon, ça, ce sont des choses que maintenant on utilise couramment, mais qui n'étaient pas courants à l'époque. Les salons de coiffure, oui, chose aussi futile que voilà, hein. C'était futile. Le stockage des mascottes et des montures. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas comme nous on le connaît maintenant. C'est-à-dire que nous on le connaît sous cette forme-là. Voilà. Ça date de Mist of Pandaria. À Wrath of the Lich King, c'était encore totalement différent. C'était encore totalement différent. C'était un sac, en fait, avec des montures. Et on n'avait qu'à cliquer dessus et on pouvait la monter. Le port de Hurlevent. Et les nouvelles tours de Zeppelin pour la Horde. Et des nouveaux talents de familier. Voilà pour ça. Alors, mise à jour 3.0, de ce qu'ils en parlent. Dans la mise à jour 3.0, il y avait vraiment beaucoup de choses. Hein, bon, je vais pas tout vous énumérer. Ce serait vraiment très long. Je serais obligé de faire un épisode spécial pour ça. Mais en tout cas, on va essayer d'en parler vite fait. Hein. Donc à la mise à jour 3.0, bah, il y a eu... Ah, le mage ici, je crois. Non, métier. Il y a eu forcément son lot de nouveautés, comme chaque extension. Il y a eu le... Allez. Je reviens pas sur le nom. Il y a eu le... Merde. Je reviens pas sur ce nom. Le Dungeon Finder. La recherche de donjons qui a été faite via pendant l'extension Wrath of the Lich King à la 3.0, je crois, quelque chose comme ça. Il y a eu le tournoi d'argent aussi et Ulduar qui sont restés dans les mémoires. Donc ça, ce sont des, enfin, c'est assez important, hein. Ce sont des gros trucs dont on parlera prochainement. Mais en attendant, on va commencer les quêtes de Wrath of the Lich King. Alors, petite précision, c'est Lich King et pas Lich King comme on le dit. Comme on l'entend, Lich, on pourrait penser que c'est Lich. Non, c'est Lich. Pas de T. Voilà. Ça, c'est pour la petite anecdote. Alors, les premières quêtes, bon, bien sûr, tout ce qu'il y a de plus basique, hein, chers amis. Nous avons déjà fait, de toute façon, la semaine dernière, un donjon ensemble de Wrath of the Lich King, qu'on va abréger en l'appelant WOTLK. WOTLK. Ce sera plus simple pour moi et pour vous. Alors, l'époque est au héros. 2900, voilà.
On doit retourner. Ça, ce sont les quêtes de début, c'est normal. Bon, je lis pas toutes les quêtes. Libre à vous de lire toutes les quêtes, hein, pour suivre l'histoire, si vous voulez. Là, en tout cas, le début de l'histoire, en fait, on arrive en Orphandre. Alors, il faut savoir. Enfin, on arrive ici en Orphandre, mais le Orphandre existe déjà depuis, depuis vraiment pas mal de temps. Voilà. Alors, vous voyez, on reçoit quasiment le triple. Non, que dis-je? Le double de ce qu'on recevait à la fin de Burning Crusade. Le double. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Rien que les objets sont déjà bien mieux foutus. Hein. Enfin. Bien mieux foutus. Voilà, hein, mais sont déjà bien mieux que les autres. Hop. Allez, hop. Bon. Eh bien, on va commencer alors. Hop, rampant. Voilà. Et même, je crois que même l'XP qu'on reçoit, voilà, 2500 par monstre. Ça fait que ça va être plutôt rapide. Enfin, tout du moins, je l'espère. Tout du moins, je l'espère. Ça devrait en tout cas. Hein. Je vois pas où ça poserait un problème. Et les créatures, forcément, à notre arrivée en Orphandre, les créatures sont hostiles. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'est hostile. C'est normal que ce soit hostile. Hein. C'est comme si on envahissait leur territoire, en fait, en quelque sorte. C'est ce qu'on fait. Hein. C'est ce qu'on fait, clairement. On envahit leur territoire et puis on s'excuse même pas. Hop là. Bon, plus que deux à tuer. Fou 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 fou. Plus qu'une. Allez hop. Ouais, ça va aller très vite, hein, chers amis. Le niveau 71 va arriver relativement rapidement. Faut pas se faire de peau pour ça. Alors, antivenin d'Aubépin. Alors, je ne sais pas qui est Aubépin. Je vous avoue que ces quêtes, je les ai un peu survolées avec mon personnage alliancieux. Mon A2, donc je serai pas vous aider. Bon, alors, on va prendre bah, celui qui nous sert le plus, hein, qui nous rapporte le plus. 11-22. 11-22. Il y a une quête ici aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent là. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils foutent là. Écoutez, ce sont des quêtes vite faites et bien faites, des propres. Alors bon. On va pas se plaindre. Oula. Je dois parler au capitaine du navire. Qui est un gnome. Forcément, c'est un gnome. Hop.
J'aime beaucoup l'alliance. Enfin, en tout cas, Wrath of the Lich King, c'est vraiment, quelque chose que j'aimais beaucoup. C'était l'alliance, en fait. J'aimais beaucoup l'alliance. Et donc, c'est sur cette première quête, cette introduction à Wrath of the Lich King, qu'on va se laisser. Le temps est venu. Prenez soin de vous. Faites bien les geeks, abonnez-vous, mettez un petit j'aime, un petit commentaire, partagez la vidéo, surtout la partagez si elle vous a plu. Et je vous souhaite tout ce qui peut être souhaitable. À la prochaine, salut, salut!